Les gars, c'est parti, je veux drive de motocross. Wesh, attends, mais j'ai loupé l'endroit. Par où tu rentres? Oh, je suis con. L'avenir, je suis con. Les gars, il a son, il a juste devant les refs. Allez. Oh, c'est stressant, les gars. Tout le monde me regarde. Les gars, il y avait une bande de jeunes. Ils me regardaient de fou. Oh. Les gars, regardez, on va voir la réaction du mec de McDo. C'est n'importe quoi. Il est en train de payer, il est en motocross. Bonjour. T'as les gars, je panique, je cale. Oh, il devrait pas se faire voir parce qu'il y a ça qui cache. Les gars, j'espère que tout va se passer bien. Nous, on est là, on est derrière. Est-ce qu'il y a les flics qui m'attendent? Wesh les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les refs, on se retrouve pour une vidéo. On va tenter d'aller au drive de McDo en motocross. Les frérots, cette vidéo c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, on va commander McDo en allant au drive en étant en motocross. Tout le monde a déjà rêvé de faire ça et nous on va le faire. Après je te mens pas frérot, là les gars, on prend des risques hein, parce que imagine la police elle passe. Mais frérot, mais on est mort. Les gars, à ce qui paraît en plus c'est une zone où ils passent assez souvent. Donc on va faire attention, on va essayer d'être faire un truc bien organisé. Le but c'est pas de rouler sur la route jusqu'en accident, c'est de devant le McDo, on sort la crosse, on va au drive, on récupère notre commande, on sort du drive et on repart avec notre cross. Est-ce qu'ils vont nous laisser prendre notre commande? On sait pas. En tout cas, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Ah si ouais, vous êtes choqué ou pas, tu vas de nous voir en motocross, frère. Et en même temps, commander McDo. En tout cas, si vous kiffez ce genre de petite vidéo, un maximum de likes, abonnez-vous, activez la cloche, les frérots. Ça donne un maximum de force. On fait péter les 300 000 abonnés. Et puis, comme ça, t'as en fond, les gars, c'est en train de charger la petite motocross, frère. Derrière, il y a Bibs, Yaswan. Oh, les gars, ça va être toute une organisation juste pour commander McDo. Moi, je vous dis juste restez jusqu'à la fin parce que j'ai hâte de voir à la toute fin quand elle va me rendre ma commande et que en motocross. Ah bah merci. Voir sa tête, wesh. Bah les gars, c'est parti, let's go aller au McDo. Il y a le petit caïs. Let's go les refs. Les refs, c'est parti. Du coup, moi je vais monter à l'air du camion. Regardez-moi ça les gars. Là il y a Bibs et il y a le 2,5. Et puis c'est parti les gars, direction le McDo, hein, let's go. Vas-y, allez, ciao ciao, hein, mon ciao. Petit caïs. Bon les frères, là on est dans le camion, regardez-moi ça. Qui aurait cru que ici là, il y a un champ juste à côté, il y a un McDo. Wesh, c'est une dinguerie. Oh le voilà, il est là-bas. Mon chéri, on est sans où? On est là? Là là? Vas-y, arrête. Comment pas, ça fait 5 minutes dans le camion, il fait tout noir, oh, on arrive bien. C'est grave la merde les gars, Lyon. Ouais, Nyan, c'est grave la merde, c'est pas comme tu penses là, Nyan. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout, il y a des 50, il y a des trucs. Il y a plein de voitures, il y a plein de gens, Lyon. Oh les gars, laissez-moi sortir ce 3 rangs. Les gars, c'est parti, du coup, on va sortir la moto maintenant. Oh, j'espère, il va pas avoir de galère et tout. Les gars, regardez le McDo en mode. Regardez les gars, il est juste là-bas en mode, je sais pas si vous le voyez. Et là, c'est parti, on va juste le sortir maintenant. Et comme ça, il va faire la route, il va essayer de nous coller et tout. Et puis, vas-y, les gars, go prends le drive. Oh, commande McDo, frérot, en motocross. Let's go, les gars. Oh là, les gars, je stresse. J'espère que tout va se passer bien, que ça va être carré de fou les gars. Tu peux la descendre normal hein, frère. Descends la normale, ouais, descends la normale. Ok les gars, c'est bon. 2,5 les gars, sortez. Oh là là. Oh, il attend 2,5, le McDo, il est là-bas les gars. Vas-y, c'est parti, attends, démarre là, je sens que tu vas mettre ta vie les gars. Ok, bon. Vas-y là, Elias. Bonne chance mon ref hein. Les gars, c'est parti, dans la voiture, Elias. Elias, il est en 2,5 les gars, il est en 2,5. Oh là là. On est en pleine vie les gars. Les gars, j'espère que tout va se passer bien. Après, il y a des chevaux à côté, donc frère, mais vas-y. Tout va bien se passer, les gars. Allez, gars, faut être confiant. Les gars, c'est parti, je veux drive de ma moto en motocross. Bon, les gars, faut savoir que je fais un délire ou que je fais un truc de fou, les gars. Pour moi, j'ai juste sorti la moto et je vais au McDo, les gars. Ouais, je fais rien normalement. Je vais prendre ma petite commande après ma petite balade. Intermarché, tranquille. Là, il y a le McDo. Oh. Tu le vois un peu, il y a tout voilà derrière. Ouais, je le vois, il est loin. Le McDo est juste là. En tout cas, les gars, ne reproduisez surtout pas ça, les refs. Nous, on veut juste tenter l'expérience, voir la réaction des gens, par où je rentre. Ok, c'est bon. Les gars, rond-point, pour ceux qui connaissent pas le code de la route, tu cèdes le passage. Non, si je peux le voir, il est là-bas, les gars, mais il a l'autre bout, frère. Non, malade, moi, je me gare, je m'en fous, je me gare. Mais non, mets-toi drive une McDo, Drive, je pense. Oui, mets-toi drive vite. Comme ça, il va se cacher derrière toi en mode. Wesh, attends, mais j'ai loupé l'endroit. Par où tu rentres? Oh, je suis con. L'avenir, je suis con. Yat, il est con. Il fait le tour du rond-point, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a arrêté le drive du McDo. Oh, les gars, je suis con. J'ai loupé l'entrée du McDo. Putain, ça fait stresser, je conduis mal et tout. Allez, il arrive, il est là-bas, les gars. Ok, ouais, c'est bon. Là, c'est l'entrée du McDo. Ok, ouais, fais pas de la merde. Avance-toi. Mets-toi dans la partie droite, Il va pas savoir où est-ce après. Laisse Elliot aller dans la partie de gauche, ok? Ok. Ok, mais ouais, t'es où, par où? Les gars, il est juste devant les refs. Allez. Il est en 2,5, c'est pas de la partie droite. Oh, il est en train de parler à la caissière, la tête d'homme, il est en train de parler à la caissière. Il a éteint sa moto et tout. Bonjour. Allô. Parlez-vous la carte élite à McDo? Non. Je découvre pour votre commande. Je vais vous prendre un cheeseburger, s'il vous plaît. Oui. Et ça sera tout, s'il vous plaît. 3,40€ au prochain guichet de fixé. Pas de soucis, merci. Allez, les gars, c'est parti. Il est en train de partir.
Il est en train de partir les gars. Oh, il est juste devant. La tenue, il s'est mis dans la queue du McDo. Comment c'est stressant les gars, tout le monde me regarde les gars, il y avait une bande de jeunes, ils me regardaient de fou. Oh. Bonjour, je vais vous prendre un sundae s'il vous plaît. Un chocolat, noisette, ça sera tout. Parfait, vas-y. Je vais être avancé pour 3,40€ s'il vous plaît. Merci. Simon les gars, hop on s'avance, on va aller rejoindre Elliot. Elliot en 2,5 au McDo. Bien sûr le sundae, je vais le manger les gars, pas de gaspillage. C'est bon, il a tué les refs. Wesh, ils doivent se dire c'est qui ce fou là qui va au McDo en cross. Les gars, la réaction des gens, c'est n'importe quoi. La tête au homme les gars, je suis actuellement en motocross au McDo. Et c'est quoi ce truc de fou là? Oh les gars, regardez, on va voir la réaction du mec de McDo. J'ai pris un cheeseburger. La tête d'homme, les gars, regardez-moi ça. Là, regardez, normalement, les refs, ils devraient pas se faire voir parce qu'il y a ça qui cache. Les gars, j'espère que tout va se passer bien. Nous, on est là, on est derrière. Bonjour. Putain, les gars, je panique, je cale. Oh, 3,40€, ok. Vous pouvez garder la monnaie. Voilà les gars, McDo, désolé d'être venu en cross, mais au moins je vous laisse la monnaie, 60 centimes. Bonne journée à vous. Ok, c'est des bons. Regardez les refs, il est en train de payer. Oh, c'est n'importe quoi, il est en train de payer, il est en motocross. Il est en train de redémarrer. C'est homme, oh, j'ai envie de voir la tête du caissier. Bonjour, ma carte s'il vous plaît. Bonne journée. Merci, au revoir. Monsieur, c'est là-bas pour récupérer la commande? Ok, merci. Allez les gars, c'est parti. Ouais, je suis au McDonald's les gars, avec ma motocross frère. Je crois que personne s'en rend compte, les gars, regardez à l'intérieur, ils nous regardent tous. Il me reste tous les gars intérieurs. La tête d'homme, c'est quoi cette dinguerie? La tête d'homme, il fait des recteurs. La tête d'homme, je suis en motocross les gars au McDonald's. Les gens à l'intérieur, ils pètent leur cadre, regardez les gars, les jeunes et tout. C'est quoi cette dinguerie? Qui aurait cru les gars qu'un jour j'allais au McDonald's en motocross? Oh les gars, la tête d'homme, je suis en stress. Bon bah les gars, on attend la petite commande, le petit cheeseburger. J'espère qu'il va être bon, qu'il va être bien fait. Voilà, sur le petit 2,5, ça régale. Franchement, le mec, il était grave sympa, le mec de McDo. Aucune réaction. Oh, par contre, ça m'a fait stresser, j'ai calé tout. Imaginez, ils arrivent pile à ce moment-là. Les gens, ils doivent se dire, c'est qui ce fou, les gars? Il va en McDo en motocross. Ah, ils doivent être choqués, les gens. Bah, j'espère qu'il a pas pris un truc qui était trop long. Ça en est où, mon cheeseburger? Moi, je sais pas si vous voyez les gens à l'intérieur, ils sont tous en train de me regarder. Merci. Ah c'est bon, il arrive à sa commande les gars. La tête d'homme, il arrive à sa commande, il l'a déjà. Allez c'est parti les gars. Allez les gars. Il vient de récupérer sa commande. Allez les gars, c'est bon, c'est parti. Oh là là, c'est bon les gars. Étape réussie devant le McDo avec ma commande et ma crosse. Est-ce qu'il y a les chevilles qui m'attendent? Non les gars, c'est bon, je crois que c'est réussi hein. On sort de McDo, la commande, la crosse en main, c'est carré les gars. Les gars, je crois qu'on a terminé. Allez. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est sur le parking. Attends, je vais lui dire. Elliot, va sur le parking, sur le parking. Bonjour, merci beaucoup, bonne journée. Merci. On rentre de McDo avec la commande et la crosse. Let's go, ciao McDo. Allez, let's go les gars. Mission réussite. Vas-y, go. Oh, faut les recharger là-bas, faut les retourner là où on était. Allô, faut retourner là où on était. Vas-y, go, c'est pour sauce. Bill, j'ai en train de manger son petit sundae. Mais faut qu'on force, les gars. Elliot, il s'est arrêté pile à l'endroit où on a déchargé la moto. Donc là, faut le rejoindre. Et ensuite, on recharge la moto. Et puis, petite dégustation, les gars. Oh, je suis mort, il avait son sachet dans une main et tout. Oh là là. Ok. Oh, le chocolat, il pète sa mère. T'aimes bien? Let's go, les refs. Les gars, regardez, Elliot, il nous attend comme s'il était sur une 50, frérot, qui est de 70. Alors qu'il est en pleine motocross, frérot, dans la rue. Et frère, j'en reviens pas, j'ai quand même réalisé un de mes rêves de gosse. Aller au McDo en motocross. On va voir si le cheeseburger, il est bien à l'intérieur. Oh oui. Eh ben, il est là, le cheeseburger. Tu penses qu'il a pris quoi? Wesh, je sais pas, frère, il a dû prendre un cookie ou quoi. Wesh, le ref. Vas-y, go, montez ça, les gars, go, montez ça. Alors, c'était comment t'as mis? Je n'ai jamais fait un truc aussi stressant de ma vie. Oh, je te jure, frère, c'était la mission de l'année, la tête de homme. Oh, vous avez vu à l'intérieur? Ouais. À l'intérieur, attends, on va chercher vite. Vous étiez choqué ou pas hein? À l'intérieur, il y avait plein de gens qui se retournaient, ils regardaient, ils rigolaient. Les mecs, ouais, sur le parking, se disent pas. Oh, il y avait plein de jeunes et tout, frère, ouais. Ils étaient tous choqués, la tête d'homme. Quoi comme commande? Un cheeseburger. Ouais. Nous, on a pris un sundae, frérot. Oh, vas-y, bah c'est parti, vas-y, go charger ça, les gars. Ok, c'est bon, les refs, c'est fermé. Oh, ça y est, là, on a plus rien à se reprocher. Mission terminée. Bon, après avoir pris ce McDo, on va au moins le tester, les gars. Eh, frérot, je pense que c'est le cheeseburger qui était le plus compliqué à prendre de l'histoire. La tête d'homme. Oh, les mecs, juste avant, ils étaient en 50 et tout. Là, il avait une motocross, il a dû aller. Oh. Ah, ils étaient pas choqués, les gens, en mode. Ils avaient aucune réaction, en mode, les gens. Mais gros, mais les gens à l'intérieur, t'as pas vu leur tête, frère. Je sais pas si on le voit à la cam. En tout cas, pour ça, on a pris tous ces risques. Vas-y, c'est parti, les gars. Tu crois dans le croque McDo. Non, rends moi de place, toi. Ah, il y a des cornichons, frère. T'as pas eu le temps de lui demander son cornichon. Ah, je peux vous dire que ce cheeseburger, il en vaut le coup. En tout cas, les frères, on cette mission, c'est réussi. On peut y aller derrière.
Ah mais j'arrivais pas à trouver le drive, la vinière, j'ai fait 4 tours de rond-point. T'as vu, je me suis dit, mais fais quoi. La vinière, j'étais en plein milieu de la route, j'ai commencé à faire un demi-tour en plein milieu de la route. Oh mais juste les mecs, d'un autre point de vue, c'était quoi la réaction des gens un peu les gars, comme vous étiez derrière? Bah il y avait des gens, ils regardaient déjà sur le parking et tout, ils étaient en train de rigoler. Oui. Oh les gens, je me suis dit ouais, je suis choqué, le mec, ils m'ont regardé et rigolé et tout. En tout cas les refs, content que cette mission elle ait réussite. Bah les refs, c'est la fin de cette vidéo, on espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et franchement, on a pris un risque, mais au moins on a réussi un petit objectif, ouais. Pour aller au McDo en motocross. C'est une satisfaction, tu pourras le dire, t'es allé au McDo en motocross. Franchement, c'est incroyable. En tout cas, les refs, si vous avez kiffé, pétez cette barre de like, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-nous sur notre Instagram. Et les refs, on a pris beaucoup de risques sur cette vidéo, donc je compte sur vous, pétez tout, ça fait plaisir. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et prochain live. C'était Elliot et Lilian. Allez, ciao, ciao. Peace, les potes.